Good morning, allez, Iden, le sutre aujourd'hui, le Lonishmat, Mouvir, Bishmuel, Benjlo, Zalman, Shlomo, Benjamin, Ben Mazal, Rachel, Rachel, Bat Sarah, ainsi que le Fouat, Sarah, Bat Betirifi, Rachel, Zoum, Ben Chaimelia, Myriam, Bat Rassida, Edo, Ben Yudit, Betor, Cher Fonisraël, si vous êtes aussi dédié à une prochaine étude de Nimcha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sefer Trulin, Parikret, Mishna Gimel. Tipat Chalav, Shenafla, Ala Khatiha, Im Yashba, Benotan Ta'am, Beota Khatiha, Asur. Nier et Agdera, Im Yashba, Benotan Ta'am, Beota Gdera, Asur. Akhal, Koro ou Motsi et Khalavo, Lokrao et Nover Alav. Alev, Koro ou Motsi et Damo, Lokrao et Nover Alav. Amale et Aof, Imagvina la Shulchan et Nover Melotase. Plusieurs sujets dans cette Mishnah, on commence avec la première partie, on continue avec les mélanges de lait et de viande. À présent, on va parler d'une Tipat Khalav Shenafla Alachatira. Je traduis d'abord, après j'explique précisément de quoi on parle. Il y a une précision très importante à dire, mais d'abord je préfère présenter les mots. Il y a une goutte de lait, tipat halav, une goutte de lait, qui est tombée sur shenafla ala khatira, qui est tombée sur un morceau, une tranche de viande. Alors la Mishnah m'enseigne, im yashba benoten ta'am beota khatira asur. S'il y a dans la goutte de lait de quoi donner du goût dans toute la tranche, on ne parle pas de marmite, on parle de la tranche uniquement, Assour, alors la tranche sera interdite à la consommation. Ni er et akdera, mais s'il a remué tout de suite l'akdera, la marmite, avant que la goutte de lait puisse s'imprégner, s'imbiber dans la tranche de viande, il a tout de suite remué le tout. Alors là, on va changer la donne et ça va devenir imyeshba benoten ta'am beot akdera. S'il y a dans la goutte de lait de quoi donner du goût dans toute la marmite, alors ce sera assour, mais sinon ce sera permis. On explique un petit peu mieux de quoi on parle. On parle qu'il y a une marmite. On est en train de faire cuire plusieurs morceaux de viande. Ouais, il y a par exemple, je sais pas moi, 10 belles tranches de viande, 10 morceaux de viande qui sont en train de cuire. Il y a bien sûr dans cette marmite, il y a aussi de la sauce. La viande, elle lâche, on a rajouté de l'eau. C'est rempli par exemple jusqu'à la moitié du niveau. Le sujet de notre mission maintenant, il est de savoir. S'il y a une goutte de lait qui va tomber dans cette marmite, elle va tomber sur une tranche, par exemple, sur un morceau de viande, eh bien, la Mishnah. Alors là, on a deux situations en fait qu'on va évoquer. Il y a un cas où on va considérer le morceau de viande sur lequel la goutte elle est tombée et on va calculer. Est-ce qu'il y a dans cette goutte de lait de quoi donner du goût dans ce morceau de viande? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a 60 fois dans le bout de viande. Le volume, est-ce que le volume du bout de viande fait 60 fois le volume de la goutte d'eau, de lait qui est tombé dessus? Mais il y a une deuxième situation où on va plutôt calculer dans toute la marmite, est-ce qu'il y a en tout 60 fois contre la goutte de lait? Donc on aurait gagné au change. J'explique. Imaginez que on a une goutte qui va faire, je sais pas moi, une taille de 1 kazaït, 27 cm cubes, d'accord? 2,7 millilitres, centilitres, je sais pas. D'accord? Et on a un bout de viande qui fait un volume 10 fois plus grand. Il est 10 fois plus grand, c'est fréquent, d'accord? Un bout de viande, il fait 10 fois le volume de la goutte. Donc, lorsqu'il va y avoir la goutte de lait qui va tomber dessus, sur le bout de viande, en l'état, il va l'interdire. Pourquoi? Parce que on a déjà appris depuis le péric précédent, que jusqu'à 60 fois le volume, on considère que les choses donnent leur goût. Donc la goutte de lait qui est tombée sur le bout de viande, s'il n'y a pas 60 fois le volume sur le volume de... Si le volume de viande n'est pas à 60 fois supérieur au volume de la goutte de lait, donc la goutte de lait va donner du goût dans la viande. Ça, c'est la première situation de la Mishnah, et une précision qu'on va dire ensuite. Mais pour le moment, on va passer dans l'autre extrême. On va parler du cas maintenant où la goutte de lait elle est tombée sur un bout de viande. Mais avant qu'elle ait le temps de donner le goût, j'ai vu la situation. Je ne pouvais pas bien sûr récupérer la goutte de lait, ça ne se récupère pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vite donné un coup de cuillère pour tout retourner, que tout se mélange d'un coup. Alors là, on a gagné au change. Que dans ce cas-là, puisque. Il n'y a pas eu une tranche qui s'est faite attaquer par la goutte de lait. Mais la goutte de lait, elle va affronter toute la marmite, alors on va ajouter tous les bouts de la marmite. En l'occurrence, je vous avais dit qu'il y avait une tranche, elle faisait 10 fois le volume. Il y a 10 tranches, donc ça fait 100 fois le volume, c'est bon. Le lait n'a pas interdit. Il y a maintenant une précision importante qui est rapportée dans le Marcon Rab, qu'on parle du cas, lorsque ça tombe sur la goutte, sur la tranche de viande, on parle que le morceau de viande, il n'est pas du tout dans la sauce. Parce que si là, uniquement même, la partie inférieure qui trempe dans la sauce, eh bien ça suffit pour que maintenant on va considérer que la goutte de lait qui va tomber en haut de la viande, sur la partie supérieure de la viande,
Eh bien, grâce au liquide qui entre et qui est déjà en mouvement dans le bout de viande, eh bien, on va considérer que le goût va transpercer la viande et va se propager dans toute la marmite. Et donc, on pourra manger ce bout de viande s'il y a 60 fois, en associant même tous les autres goûts qui se trouvent dans la marmite. C'est clair? D'accord? Donc, je reprends très rapidement, très succinctement. Il y a deux extrêmes dans la Mishnah et il y a l'intermédiaire. Deux extrêmes dans la Mishnah, c'est le cas où le morceau de viande est complètement à l'extérieur de la marmite, complètement à l'extérieur de la sauce. Dans ce cas-là, on s'intéresse à savoir ce que le bout de viande a 60 fois le volume de la goutte de lait. Et il y a le cas où, avant que le goût soit imbibé, j'ai vite tout mélangé de manière à ce que, à présent, la goutte de lait va se propager dans toute la marmite. Et dans ce cas-là, on va considérer le volume de tout ce qui est en train de cuire dans la marmite et ce sera bien sûr bien plus facile d'atteindre le 60 fois le volume de lait. Et il y a qu'un intermédiaire aussi, je vous ai dit, c'est le même principe. Si même le bout de viande sur lequel la goutte de lait tombe, si elle s'attrempe un petit peu dans la sauce, ça suffit pour qu'on va considérer tous les aliments qui cuisent pour voir ce que ce sont sur le volume contre la goutte de lait. Deuxième partie de la Mishnah maintenant. Akral. Le kral, c'est la mamelle. Il y a un problème technique dans la mamelle. C'est qu'elle contient du lait. Et la mamelle elle-même, c'est de la chair de viande. Donc il devrait y avoir un problème de lait de viande. Bon. Selon la Torah, d'abord, il n'y a pas de problème de lait de viande dans une situation pareille. Pourquoi? Parce que le lait qui n'est pas sorti à l'extérieur, mais qui est juste imbibé dans la mamelle, il n'a pas un statut de lait selon la Torah. C'est très original. Mais si vous égorgez une vache, et qu'après vous allez récupérer le lait, c'est-à-dire vous allez ensuite ouvrir la mamelle, puisqu'elle est morte maintenant, donc vous pouvez plus, j'imagine qu'on ne peut plus tellement traire, vous allez ouvrir la mamelle et lui sortir son lait, vous allez récupérer un lait. Ce lait-là n'a pas un statut de lait comme le lait qui est interdit de faire cuire. D'accord? C'est juste le lait de la chaya, de l'animal qui est encore vivant. Maintenant, malgré tout, Khamim sont venus, ils nous ont dit, oh, ça va pas la tête, les gens commencent à se faire des ambiances de lait, de viande, on interdit ça. D'accord? Maintenant, ça nous a amené du coup à des halakhot particulières lorsqu'on veut faire cuire la mamelle. On a des problèmes avec le lait et la viande. Alors, la Mishnah enseigne Akral, le kral, la mamelle. Koro ou motzi et halavo. Il faut la déchirer, la craquer, la trancher, et lui faire sortir son lait. Précisément, il y a deux solutions. Le Bartanora nous rapporte qu'il y a deux choses à faire. C'est Koro, shtiva arev, vetachobakotel. Il la déchire, littéralement, shtiva arev, la trame et la. J'ai oublié comment ça s'appelle. Filet trame, je crois. Bref, c'est une manière de dire longueur et largeur, d'accord? Et donc, il la découpe, il doit l'inciser en fait. Il doit l'inciser dans la longueur, dans la largeur, et même aussi la tachobekotel, c'est la frapper contre le mur pour que ça fasse sortir tout le lait qui est à l'intérieur. C'est en fait pour te permettre de faire cuire le kral, la mamelle, tu dois la couper et faire sortir le lait qui est dedans. Le tout petit article rapporte que c'est soit l'un, soit l'autre en fait. J'ai pas approfondi le sujet, je me souviens pas de la chôte. Ça s'apprend, ça, dans le chôte de Massar Kralav, mais. En tout cas, on continue. Donc, il faut le déchirer. Maintenant, l'okrao, si toutefois tu l'as fait cuire, mais sans l'avoir déchiré, et non au verre à lave, tu ne transgresseras pas sur lui. Et le Bartanora nous précise quelque chose, en nous disant qu'en réalité, on parle du cas où le kral, tu l'as fait cuire tout seul. Tu l'as fait cuire tout seul, même avec une sauce. Alors, dans ce cas-là, le kral sera permis à la consommation. Je rajoute un petit peu le tiré de pour éviter des problèmes. C'est qu'en réalité, en fait, tu l'as fait cuire tout seul dans une sauce avec de l'eau, par exemple, ou des légumes. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, on a gagné que le lait qui est inclus dans le kral, il va se propager dans tout, il ne va pas interdire le kral. À la différence du cas où on va faire cuire cette mamelle avec des autres bouts de viande, midera banane, ça va interdire. Le goût du lait qui est dans la mamelle va interdire les autres bouts de viande. D'accord? C'est-à-dire, ce qui a écrit dans la Mishnah que si tu ne l'as pas déchiré, mais que tu l'as fait cuire tel quel que c'est permis, c'est que lorsque le kral il est tout seul. Dans le Bartanora, c'est machma, que c'est même pas la peine d'avoir d'autres sauces ni rien. Dès que le kral il va cuire tout seul, il ne va pas s'interdire de lui-même. D'accord? Mais par contre, on va le considérer, c'est-à-dire par rapport à lui-même, on ne considère pas le lait intérieur qu'il a à l'intérieur pour qu'il s'interdise lui-même, mais on va considérer le lait pour qu'il va interdire d'autres bouts de viande qui pourraient cuire dans la casserole longtemps. D'accord? Donc ça c'était pour le kral, pour la mamelle. Maintenant du coup, tu me dis qu'il y a certains membres qu'il faut déchirer et écraser avant de pouvoir les faire cuire, eh bien, on ouvre la porte pour parler, entre parenthèses, d'un autre sujet où il y a les mêmes principes, c'est halev, le cœur.
Koro ou Motsi et Dabo. Il faut aussi le déchirer et lui faire sortir le sang qui est imbibé dedans. C'est-à-dire, dans le cœur, il y a bien sûr des cavités qui. Il y a du sang qui est contenu, d'abord. D'abord, je précise, un point important. Il y a le foie. Vous savez bien que le foie, on ne peut pas le cachériser par le sel. Peut-être qu'il faut peut-être toujours pas dans l'air. On aura l'occasion de parler plus longuement du sang, plus loin. Mais la Torah nous interdit de manger, de consommer du sang. Un interdit très grave, un interdit de carette, si on consomme du sang, si on prend du sang. Maintenant, suite à ça, chaque fois qu'on dégorge un animal, il faut lui faire la melicha, il faut lui faire sortir le sang. D'accord ? Quand on récupère, nous, on achète à notre époque du sang chez le boucher, en général, ils ont déjà fait la melicha. Il y a encore une trentaine d'années, 35 ans, je me rappelle quand j'étais petit. On avait, ma mère, je me rappelle, on achetait encore, on avait d'ailleurs de la viande fraîche. Et du coup, je me souviens encore comment à la maison, on faisait la melicha, on salait. Aujourd'hui, ça s'est perdu complètement. Du coup, on amène de la viande d'Argentine en général. Donc, on se débrouille, les vadot kashrout se débrouillent pour faire eux la melicha là-bas. Parce qu'il ne faut pas traîner pour faire la melicha. Il faut dans les jours qui suivent, au maximum, je crois, 3 jours. On a 3 jours pour faire la melicha. D'accord ? Je reviens sur le sujet. On a donc la viande, il faut lui faire la melicha, le salage. Pour pouvoir extraire le sang qui inclut. Il y a le foie, on n'a pas le droit, on ne peut pas le saler. Il y a un seul moyen de manger le foie, c'est de le faire cuire, de le faire griller. Lorsqu'on fait griller, c'est encore un autre moyen d'aspirer tout le sang. Une fois qu'on l'a fait griller, ensuite, on peut, en suivant quelques directives, le refaire cuire ensuite. Mais c'est le seul moyen pour le cacher. On arrive maintenant au cœur. Le cœur, il est permis à la consommation. On a le droit de le saler. Pas comme le foie. Figurez-vous que le cœur, on peut le saler. Mais il y a quand même une chose à faire avant, c'est qu'auparavant, tu l'ouvres, tu lui fais un ch'ti va'arev, lui aussi tu le coupes au moins dans la longueur et dans la largeur, de manière à lui bien inciser, et tu appuies dessus pour faire sortir tout le sang qui est inclus. Une fois que tu as fait ça, tu auras le droit de cachériser le cœur et de le consommer. D'accord ? C'est ce que la Mishnah nous enseigne. Alev koro ou motzi et damo, le cœur, tu le déchires et puis tu le fais sortir son sang. L'okrao, si toutefois maintenant, nouvelle halakha, l'okrao, si toutefois tu ne l'as pas déchiré mais tu l'as salé tel quel, eh bien, Edo Veralav, tu ne transverseras pas l'interdit, c'est-à-dire, tu pourras même faire, c'est comme ça que le Bartanon explique, tu pourras même faire ensuite, après le salage, tu pourras le déchirer et lui faire sortir son sang. Il y a quelque chose de très original, c'est qu'en fait, le salage que tu as mis sur le cœur, parce que le cœur, il a la contexture du tissu du cœur, elle est beaucoup plus lisse et elle absorbe pas tellement. Donc de ce fait, même si tu l'as salé ton cœur avec, alors qu'il contenait encore son sang à l'intérieur, c'est pas grave, juste après salage, tu ouvres le cœur, tu le fais sortir le sang qu'il y a dedans, et c'est bon, ton cœur il est permis à la consommation. Autre parenthèse, c'est pas tellement conseillé de manger du cœur dans la Torah, étant donné que ça provoque des problèmes de mémoire, spécialement de mémoire pour la Torah, ou je sais pas, de mémoire générale, je sais pas, en tout cas pour la Torah c'est sûr, que celui qui mange du cœur, eh bien, il ne se souvient pas de ce qu'il étudie. C'est comme ça que c'est rapporté, même dans les livres de Halakha. On reprend dans le cours de notre Mishnah. Ama'ale et ha'of imagvina ala shulchan, eno over belota ase. Celui qui fait monter du poulet, qui va mettre sur la table, sur une même table avec du fromage, eh bien, eno over belota ase, il ne transgressera pas d'interdit de la Torah. C'est-à-dire, on explique en fait. Ça vient rejoindre un petit peu ce qu'on avait appris dans les Mishnayot précédentes, dans la Mishnah Aleph plutôt, qu'il faut savoir qu'avec la viande de volaille, on ne transgresse pas d'interdit de la Torah si on la fait cuire avec du lait. Maintenant, on avait appris qu'il y a quand même un interdit de manger la viande de volaille sur une même table où il y a du fromage. Mais malgré tout, si toutefois tu l'as fait et que tu as même fait cuire, elle est dure à lire la Mishnah, mais en tout cas, puisque si tu faisais cuire, tu ne transgresserais pas un interdit, alors la Mishnah enseigne que si tu les as mis sur une même table, tu ne transgresseras pas un interdit. D'accord ? Tu ne transgresseras pas d'interdit de la Torah, c'est-à-dire même si tu vas les faire cuire. D'accord ? C'est un peu grosso modo, le Bartonnerage, le Gilin, le Bartonnerage préfère. Et donc, la Mishnah est venue m'enseigner. C'est vrai, je m'explique qu'il y a un problème. C'est dans la Mishnah, on avait appris qu'on n'a pas le droit de les manger ensemble. Donc en fait, mais le problème de les manger, on n'a pas le droit de les manger sur une même table. Donc en fait, la Mishnah, elle a l'air de contredire un petit peu ce qu'on a dit. Donc le Bartanor, maintenant, il nous explique comme ça. Et non, au verbe lotasse, il ne transgressa pas l'interdit de
faire cuire. C'est-à-dire, il ne peut pas arriver à une situation de la transgression de la Torah. Cloma, en la chouche, shema, yochelenu, veyavor alav, denami, achille, en over belotase. C'est-à-dire, on ne va pas craindre qu'il va le manger et qu'il va transgresser. Dans ce cas-là, la Mishnah, il y a un problème. La Mishnah, elle va, dans ce cas-là, selon Bet Shamay. Ça me pose problème. Je n'ai pas prévu beaucoup assez bien. Deux petites minutes, je résous le problème tout de suite. Il rajoute pas plus. Il y a un problème technique, parce que dans ce cas-là, ça va selon Bet Shamay. Or, on ne veut pas que la Mishnah aille selon Bet Shamay. J'ai pas de solution. J'ai pas de réponse. Je ne me suis pas posé la question quand j'ai repris le cours de Mishnah, mais c'est pas très grave. Bon, Hachem, on a fini la Mishnah. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov. Salam.